Gauthier, on est fabricant de meubles en Vendée. On fait plus de 7000 meubles nouveaux chaque journée. On a en fait plusieurs gammes. Gauthier, c'est le haut de gamme avec un réseau de magasins franchisés. Ensuite, on a Gamy, c'est la grande distribution qu'on exporte beaucoup. Et donc, ce qui nous permet d'être à Esprit Meuble avec des collections exclusives pour le marché français, pour les magasins traditionnels et autres. Et en fait, on a Galipette, le 0-2 ans. On est aussi un fabricant de meubles pour bébés. On a le Gauthier Office qui se développe beaucoup avec la gamme Gauthier Office et la gamme Business, puisqu'on accompagne des projets de changement en fait, d'environnement de maison, mais aussi d'environnement de bureau. Gauthier, en fait, pour 2023, c'est 120 millions d'euros de chiffre. On a passé une année légèrement en baisse quand même, il faut quand même le dire, dans ce marché qui souffre. Mais notre façon de faire, ça a été énormément de sortir de nouveaux produits, avec plus de 30% de nouveaux produits. Et ça a été la façon défensive pour nous de contrer le marché qui baisse. C'est la deuxième année que Gauthier est présent de nouveau à Esprit Meuble. On est très content d'être de retour Porte de Versailles Hall 1, puisque là, il y a 60 ans, quand mon oncle a créé Gauthier, ben, on était exposant ici, on était l'un des premiers fabricants exposant Hall 1. Donc on est content d'être là. Le retour se fait par la marque Gamy, c'est pour avoir des shop in the shop ou des produits qui intègrent les réseaux en plus traditionnels ou même le web et qui sont exportés et qui nous permettent de les proposer en exclusivité pour les réseaux des magasins traditionnels français. On est plutôt content puisqu'en fait la première année ça a été de la découverte, on a commencé un peu à sentir on va dire. La deuxième année là on voit des gens qui ont réfléchi, qui ont eu nos produits cette année, qui ont bien fonctionné, donc ils reviennent vers nous pour des nouvelles implantations. Donc on peut dire qu'on avance tranquillement mais sûrement. 2024, je suis persuadé que ça va être une année difficile pour le marché. Donc de toute façon, la seule façon, c'est d'avoir des nouveaux magasins Gauthier, d'aller encore plus vers l'accompagnement en fait, de réactivité, de service aux clients. Je pense que nous, la force de Gauthier, c'est qu'on a un énorme stock de produits. On ne fabrique pas la contre-marque, on ne fabrique pas la commande. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de réagir très vite. Quand quelqu'un passe en magasin, a une idée, une envie, il faut livrer vite, avoir un service client centré. Donc ça, c'est comme ça qu'on pense progresser sur cette année 2024 versus un marché qui va baisser. En termes de développement de magasins, on ouvre un magasin tous les deux mois. On a encore une quarantaine de magasins à ouvrir en France sur la marque Gauthier. Donc on a en fait encore des volontés d'aller encore plus loin sur un réseau qui à terme aura 120 magasins sur le réseau français.